aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va commencer le kit du cheval à plumes de la boutique Mes Petits Jams qui est en partenariat avec moi. Donc je vous l'ai montré hier lors d'une vidéo unboxing. Voilà, donc on va faire celui-ci. Voilà. Donc là, j'ai déjà tout préparé. Hier, j'ai préparé avec vous. Fifi, bouge. Allez, bouge tes fesses. Merci. Hier, j'avais préparé avec vous les perles hein, que j'avais mis dans mon pilulier. Et vous verrez juste après mon petit blabla, un tout petit bout de vidéo. Comme je vous avais expliqué hier, j'ai repassé donc ma toile. Donc voilà, vous voyez, il n'y a plus aucun pli. Enfin, encore un petit peu là, mais c'est pas grave. Voilà, donc ma toile est bien plate maintenant. Donc je l'ai repassée. Vous verrez comment. Donc je vous explique dans ce petit bout de vidéo juste après. Donc ça là, ma toile est bien plate. Je n'ai pas de problème. Pardon. La cigarette, faut préciser hein, maintenant par le temps qui court, vaut mieux préciser pourquoi on tousse. donc voilà, donc comme je disais, je l'ai repassé. Alors, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo juste avant, donc elle va se faire en diamant spéciaux comme ma fée là ici. Je vais vous remontrer la toile. Alors, on va essayer de vous remontrer. Vous voyez, la toile est pailletée. Donc, ça fait super beau. Bon, là, je ne sais pas en combien de temps je vais la faire. Si c'est en deux fois ou en trois fois. Bon, pas en une fois, ça c'est sûr. Mais, je ne sais pas. En deux ou en trois, on va voir. Voilà. Donc là, on va la commencer ensemble. Alors, je vous laisse d'abord regarder le petit bout de vidéo où je vous montre et je vous explique comment repasser la toile. Et ensuite, je vous laisse regarder donc comment je fais ma toile, enfin, le déroulement du perlage de la toile. Voilà. Allez, je change, je vous laisse regarder et moi, pendant ce temps-là, je prépare la caméra. A tout de suite. Alors voilà, je vais vous montrer comment je vais remettre droit ma feuille de kit. Comme vous voyez, ça fait des petites ondulations. Mais ça, c'est tout à fait normal. Hein. C'est le pliage pour le stockage et le transport. Car vous pouvez voir de l'autre côté, sinon, il n'y a aucun défaut. Donc, on va le faire au fer à repasser. Bien sûr. Donc, je vais me servir d'une serviette éponge. Un peu comme pour le kit de peinture numéro. Donc, je vais mettre une serviette éponge dessus. Là, je me suis mis en coton. Et on y va. Alors, je vais surveiller un petit peu. Hein. J'ai besoin de faire un petit peu de vapeur. J'essaierai, mais je pense pas. Je crois que ça devrait aller haut. Désolée, ça bouge. Hein. Mais ça, comme vous êtes sur ma table à repasser. Alors, déjà là. Je regarde surtout, c'est de l'autre côté. S'il n'y a pas trop de soucis. C'est une vieille serviette hein, que du coup je me sers que pour ça. Alors, un petit coup de vapeur et je resèche tout de suite. Désolée, vous bougez. Voilà, la vapeur, ça s'en va plus vite.
Regarde de ce côté-là si ça va. Oui. Voilà, pas de problème. Je vais faire ce côté ici. Vous voyez là, déjà les traits sont beaucoup moins marqués. Aucun souci. Je vais reposer mon fer. Voilà. Voilà, la toile est nickel. Vous voyez ? Il n'y a plus aucun trait. Donc là, maintenant, ma toile est bien droite. On voit encore un tout petit peu ici, peut-être, mais ça, c'est rien. C'est pas un problème. Il suffit que je repasse un tout petit peu dessus. Voilà. Voilà, j'ai plus aucun trait. Voilà, ma toile est nickel. Prête à perler. Donc ça, on va le faire tout de suite après. Voilà. Vous voyez, pas de souci avec le plastique. Et pas de souci avec la colle. Voilà, allez, à tout de suite pour la suite du kit.
coup, voilà, j'arrête pour aujourd'hui. Parce que là, je suis fatiguée. J'ai pris des médicaments aujourd'hui parce que j'ai mes douleurs. Et mes médicaments commencent à me faire de l'effet. Pouf, je vais tomber. Voilà, Fifi. Alors, je vous montre ce que j'ai fait déjà. Voilà. Bouge, mémé. Bouge. Voilà. Alors, j'essaye de, pour que ça brille, pour que vous voyez. Voilà. Voilà, j'ai fait le haut de la tête. Bon, il reste peut-être encore une couleur en haut de la tête à faire, mais c'est tout. Voilà, il est très sympa à faire aussi, comme la fée, sans aucun souci. La colle est nickel. Les perles, vous voyez, ça y est, mes médicaments font vraiment effet. Les perles se collent très très bien, sans aucun problème. Donc, et il est, quand on le voit en vrai, non, Fifi, pas tes griffes dessus. Je vais en mettre le plastique pour pas qu'elle me l'abîme. Donc, quand on le voit en vrai, il est vraiment superbe. Voilà. Donc, il me restera cette partie-là à faire. Donc, en deux fois, vous voyez, il sera fait. Donc voilà, pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que... j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc vous reverrez la deuxième partie normalement demain, je pense. Je ferai l'arbre dans la semaine, certainement. Dans la semaine, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos les liens qui correspondent à ce kit. Le lien de la boutique, le code promo pour avoir 10% sur votre commande. Si vous commandez sur la boutique de Coralie, mes petits diams, voilà, ça vous permet d'obtenir 10% sur votre commande. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les posez également en barre d'infos, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, alors je vais vous laisser pour ce soir, moi je vais aller faire un gros dodo. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, à bientôt.